Pour cette scène, le réalisateur n'a pas eu besoin de faire appel à un chorégraphe, puis à un cascadeur, pour que les différents personnages se déplacent sur le plateau de manière si fluide et si élégante. Pour que le sommet dramatique de ce film ait cette intensité, il n'a pas été nécessaire d'enfermer les comédiens dans une pièce avec un coach et de les faire répéter encore et encore pendant des jours. Si ce gnou a cette justesse si touchante dans le regard, ce n'est pas parce qu'il s'est mis en condition, en se rappelant sa rupture avec sa petite amie, ni en suivant les cours de techniciens de l'art dramatique qui lui ont inculqué les méthodes de Strasberg ou de Stanislavski. Et cette scène n'a pas nécessité 27 ou 28 prises au cours desquelles on aurait pu avoir droit à plusieurs fous rires des comédiens, une perche dans le champ, un travelling qui part trop tard et quatre oublis de texte avant de pouvoir finalement entendre cette fameuse sentence libératoire de fin de tournage. Et c'était le dernier plan, merci à tous !»